Bonjour, je vais vous présenter l'habillage des habillages pour le coronavirus. La première chose importante à faire avant l'habillage, c'est la friction hydroalcoolique. Pendant 30 secondes, sur des mains avec ongles courts, sans vernis, sans bijoux, sans montre, sans bracelet. On passe bien jusqu'au poignet. C'est au moins 30 secondes. Ensuite, on commence par prendre la surblouse. Petite astuce qui rend bien des services, c'est de commencer par faire un nœud au niveau du col. Pour pouvoir ensuite l'enfiler par la tête. On ajuste et on fait le nœud au niveau du dos. Par-dessus, on va mettre un tablier plastique pour permettre d'avoir un peu plus étanchéité au cas où on ait un soin mouillant ou qu'on ait des projections de liquide biologique. Ensuite, on procède à l'installation du masque FFP2. Ce masque dispose d'une barrette qu'il faut en premier lieu conformer. Puis prendre la bande élastique et la dédoubler, comme ceci. Puis on commence à l'installer d'abord au niveau du menton. On le place au niveau du menton, on tient les élastiques. On met le premier élastique au niveau de la nuque et le deuxième sur la tête. Donc là, je prends le relais, donc bien important. Bien le positionner, bien être confortable au niveau du menton et le remonter suffisamment sur le nez en mettant bien, en plaquant bien la barrette pour qu'elle soit bien étanche. On fait ensuite le test d'étanchéité en aspirant fortement par la bouche. Là, le masque est bien installé. Moi qui porte des lunettes, je le constate, c'est que je n'ai pas de buée sur mes lunettes. Ensuite, on installe les surlunettes qui s'adaptent très bien sur les propres lunettes qu'il faut mettre même quand on porte des lunettes parce qu'elles ont des protections sur le dessus et sur les côtés. Ensuite, on installe la charlotte. Effectivement, si on a un miroir, ça peut aider, ou un collègue qui vous dit effectivement tout est bien mis, il n'y a pas de souci. On fait une nouvelle friction de solution hydroalcoolique. Et on va installer les gants. En les positionnant bien par-dessus la blouse. Si jamais, par exemple, lors du soin de l'acte, on a le gant et la blouse avec un petit espace de peau, il n'y a absolument pas de risque. Hein. Imaginons qu'on aurait une projection de liquide biologique, on peut tout à fait faire une désinfection ensuite avec des produits hydroalcooliques. C'est efficace sur le virus. Donc là, vous êtes prêt pour faire votre soin.